Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu avais apprécié la dernière VOD qui était plutôt mouvementée avec une histoire de singe. Comme quoi, on n'apprend pas au singe à faire la grimace et il nous l'avait bien regretté pendant plus de 20 minutes d'affilée. Du coup, on a retrouvé la petite fleur pour Kotaro, puisque il en a besoin hein, pour s'évader dans son monde des rêves. Et il semblerait que j'ai trouvé un skip machine, pour aller plus vite. Oh putain, encore une. Non mais lâche-moi là. Non mais oh! Oh! Et aussi que le jeu vous ait lâché une sodomie gratuite. Ah enfin, eh bien. Donc c'était par en bas, c'est ça? Ah oui, non mais en fait c'est pour redescendre plus vite quoi. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? À part me faire défoncer le fion par des sanguinaires du cul. Je sais plus ce que je voulais débloquer. Oui, cerf-volant. Il est où? Il est où le cerf-volant déjà? Je m'en rappelle plus. Normalement, il est au niveau du deuxième temple. On va tenter le skip. Ça va être totalement de la folie, mais j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter le mal. Si tu pouvais grimper, merci. C'est un gros problème la caméra dans le jeu. Ah, c'est la fin. C'est un peu plus bas en fait le skip. Allô? Ça affiche mal. Ouais, c'est juste là en fait, c'est la branche là. Là, là, hop. Voilà. On a un skip, incroyable. Quel talent. Oh! Mais putain, mais quel abruti du cul! Pourquoi il s'accroche pas, cet abruti? Abruti man! C'est pas là qu'elle. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est le raccourci du cul! Oh, je le sens trop mal. Bon, bah, ça sent la mort, hein. Au revoir, YouTube. Ah, mais il s'est même pas accroché, ce sac de merde. C'est abusé, comme il sert à rien, ce Shinobi. Shinobit, il sert tellement à rien, ces kilos. C'est un truc de ouf. Il a les pires défauts du monde en tant que Shinobi. C'est un truc de ouf. Oh, mais t'es vraiment un sac à merde, toi. Un bon gros sac à merde. Abusé. Putain, j'en ai vu des shinobi, mais alors toi, t'es le pire. Modification, quoi donc? Bon, apprenons avant de péter un câble encore une fois. Alors, oui, ce putain de cerf-volant. Normalement, il est quelque part par là. Arrête de cracher, toi. Pourquoi il y est pas? C'est quoi ces conneries? Connerie man. Ah non, mais là ça va pas le faire par contre. Je vois rien, caméra. Ouais, non, mais va te broser toi là-haut. Kachin! Tout ça pour un emblème. J'ai cru qu'il y a moyen de passer en fait, nous. Bon, il est où le cerf-volant là? Hein? Mais putain, mais il y a des fantômes de partout, c'est quoi ce jeu? On se croirait dans Ghost Adventure? Ils ont craqué un B12, ça se passe comment? Mais il est où le cerf-volant? Mais race de ces morts, il est où le cerf-volant? Ah, c'est bon, il est là, j'ai rien dit. Tout va bien. C'est bon, je l'ai là.
Allez hop! Oui! Et comme ça on aura le serpent. Maintenant faut que j'arrive à me rappeler comment on passe. Hop! Hop! Ça passe! C'était risqué du fion mais c'est passé. Voilà, c'est bon, on va pouvoir aller tuer le serpent. C'est gratuit pour toi YouTube. Un mec qui reprend le sport mais qui arrive toujours pas à dormir. Ah, c'est ça les joies du fun, comme on dit. 11. Faut pas que je me trompe dans les notations. Voilà. Hop. Allez, on fait un petit serpent à la brochette. Moi, ça me tente, et vous? Un bon petit serpent gratuit à la brochette, là. Ah, c'est trop bon, là. Ça va être un régal. Vous le voyez? Non, parce que moi, je le vois pas. Il est où, ce con? Ah, il a pas déclenché la scène. Ah. Du coup, faut que je repasse par l'autre côté là. C'est mort. Comment on grimpe déjà? Ouais, comme ça. Mais putain, mais t'as des bras ou des pieds? Faut savoir là. Putain, le mec il arrive même pas à s'accrocher à un simple rebord. Mais c'est une blague du cul, ça se passe comment là? T'es un footballeur, c'est ça maintenant? Pas foutu d'utiliser tes mains? Ou tes pieds? Ouais, d'accord. En fait, j'ai sauté trop par rapport au jeu pour qu'il agrippe. Bullshit. Du coup, four canon, hop. On va débloquer la porte, on se fait choper par le serpent de ses morts et après c'est bon. Puisque de toute façon, on va réatterrir à l'intérieur de la fosse d'Achina. Faut que je fasse gaffe, il y a plein de fantômes maintenant. Bon, allez, allez, les petits bâtards là. Mais putain, mais. Est-ce qu'une fois dans ta vie, t'arriveras à faire une exécution correcte? T'y as pu, hein, t'y as cru. Hein. Vas-y, casse le portail, toi. Enfin, le pont. Il y a moyen de le brain? Non, je crois pas. Ouais, y a les poissons. Les poissons. Il y a une carpe. Et c'est pareil comment? La conne. Grosse bourse. Hop, t'es là. Eh? Oh, j'avais pas vu. Ouais, non, on s'en fout de la carpe. Moi, ce que je veux, c'est le loot. Arrête. Attrape. Ouais, parfait. Je vais en avoir 14 là. Putain, il commence déjà à me saouler, putain de serpent. Mais ça va aller tellement vite parce qu'on a déjà tout sur nous. Donc au final, j'ai perdu de la voix à avoir gueulé tout à l'heure. Sur un jeu de merde, forcément. Je gueule toujours sur un jeu de merde. C'est ma logique. Mais non, je peux. Ouais, merci. J'ai l'impression qu'il y avait plus qu'avant. Oh, oh l'enculé. J'avais pas vu ça par contre. Lâchez-moi la grappe. Je m'amuse avec mon ami serpent. Je me souvenais pas que c'était comme ça dans la VOD. Non, j'ai code. A plus. Allez, nique-toi bien. Comme il est rageur ce putain de serpent.
Ah bordel. Ouais bon du coup j'ai déjà déverrouillé l'entrée pour le singe de Seymour. Allez monte là, fais pas les brutis. Catching. Oh je speedrun hein, je m'en fous. C'est pas mal hein, je te dirais. J'ai perdu un centième de vie, j'ai perdu. Là par contre j'ai perdu un gros coup de vie. Des graines de bouterolles. Mais en fait il me calcule pas quand je suis en mode invisibilité du. Comment tu fais pour passer à travers des branches comme ça toi? Franchement tu m'expliques un jour. Un calcul aussi gros que le tien. Ah, il est là-bas super gorille. On se le tente ou quoi? Alors j'ai envie de faire le serpent avant. Parce que Goriman il va me saouler sinon. Goriman. Voilà, on peut essayer avec comment s'appelle la technique d'Ishin. J'en ai déjà pu. Non, il faut que je me repose. Ouais. Faut que je me repose, non ça marchera pas. Alors, il me faut la vie de l'au-delà. Faut ça. Le Sentem. J'en ai pas besoin maintenant. Gourde de ses morts, il me la faut. Les pétards sur lui, franchement, faut vraiment être gagueux pour pas réussir à le battre. Par contre, je pourrais utiliser. 3, ça coûte, c'est cher quand même. 3. Ouais, je sais pas ce que je vais utiliser. Passage flottant parce que ça a hyper bien marché la dernière fois. Allez, c'est l'heure d'affronter Goriman. Bonjour. Oh, il m'a mis une patate, c'est bien sec. Hein. Allez, on regarde bien comment il fait. Et moi je me fais là. Ah, voilà comme ça. Après quand il est en mode je pue la merde, il vaut plus rien. Oh l'enculé. Balance-moi bien ta merde sur la gueule, tiens, j'y arrive. Vas-y, mets-toi en mode Furyman. Oh, j'ai envie de tenter la lame sur lui, voir ce que ça donne. Oh, le fils de pute, il a une allonge de cul. Il a une putain d'allonge, le bâtard. En mode du plus. Oh, d'accord. Alors, faut que je fasse gaffe à sa chope de ses morts. Après, la version de l'autre, elle est facile, hein. Waouh, j'ai tellement touché que je l'ai pas touché. Ah, la hitbox elle pue la merde par contre. On voit que dalle dans votre jeu de merde, merci. Blabla. Dabra. Oh, attendez, on va faire un truc plus simple. Éclair de dragon. Oh, ça marche pas, franchement je peux faire. Ah putain c'est trop bon, on peut faire ça tout le temps, regardez. Ah ce troll. Ce troll.
On tue les rouilles par contre. Merci. Ouh, ce qu'il a mangé. Oh là là. Oh la violence du choc. Ah là par contre c'était beau. Ah ouais ouais. La lame d'Achin, elle le défonce hein. Ah oui, kiffe pas sa merde par contre. Il kiffe grave pas sa mère. Ah j'aurais dû y penser à l'utiliser la hache comme une grosse merde. Ah, il est en mode je suis cané. Je suis cané. J'ai pris cher. Bloque pas comme ça s'il te plaît, merci. Suce-moi bien les boules, sac à merde. Ah non mais réellement, la caméra s'il te plaît. Ah quand même là par contre je le sens mal le coup. Hein. Allez, fais ton greux. Dans ces comptes, je perds sur la première partie quand même. Ah, la partie. Mais lol, la portée des attaques. Allez, fais ton saut là, lâche la faire. Coucou. Oh, je te magne le cul. Ah, merci. On y est presque. Oh, c'était beau ce que je viens de faire. Ça, c'était moins beau par contre. Ah, ça, par contre, c'était superbe. Là, j'avoue, mon talent. Allez c'est bon il est mort, première phase. Hop. Ta gueule. Allez on se prépare pour la suite. Alors on se prépare pour la suite. Donc il me faut. C'est où déjà? Témérité. Ah, faut peut-être que je mette le tantôt aussi, ça va être mieux. Quoique, attends, j'en ai combien sur mon avis? 6. Bon, tu te réveilles là ou pas? Allez, merci. Avec des gens en phase de super attaque, trop bon. On se casse. Wouh. Tu as cru mec. Et d'une. Et de deux. Ah dommage. Ah mais non. Hey, rajouter des patterns de cheat, faut arrêter par contre. Rajouter des patterns de cheat, je suis désolé mais je vais pas accepter. Allez, il tape. Ah mais attendez, je peux prendre un bonbon. Pourquoi je me fais chier? Voilà, on va prendre un Akko. Akko! Balayage de mon cul. Allez, encore une. Et de deux. Troisième. Parfait.
On est bien là, on est très bien. On prend même quelques risques. Ah, un peu trop de risques même. Ah non, j'ai pu. Ça dure pas longtemps, c'est chiant. Caméra. Balayage de pit. Chaque fois je me fais avoir. Ouh. Allez bien. Ah, il me fait des patterns de merde là, ça me gave. Allez, fais tes patterns là, casse pas les couilles. Fasse gaffe, c'est important. Okay, donc, ah. Ouh, pas terme. Si fait. Allez, vas-y, go. Vas-y, go. Merci. On y est presque. Là, ça pique. Casse-toi. On est bon, on est bon. On est bon. Fini. Oh non. Non, c'est pas le con. Oh oui. Allez, first try. Ah, 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 ah. Yes. Ah, j'ai pris des risques à la fin. J'ai pris des risques de ouf. J'ai pris des risques de ouf à la fin, mais franchement, c'était trop beau. Oh, c'était la classe! Ah, c'était grave la classe! Ouh, j'ai eu un peu peur à la fin quand il m'a foncé dessus là, mais en fait, quand il fait son salto, c'est la meilleure moyen, le meilleur moment de, pour lui sauter dessus. Par contre, j'aurais dû utiliser la lame de la mort pour faire plus de dégâts, parce que franchement, avec ça, ça déboîte sur les morts vivants. C'est très efficace. Bon, voilà, c'est fait. On lui a cassé le fion en first try. En mode New Game Plus, franchement, je suis fier de moi. Je suis très fier de moi. Les petits passages glitch hein, dans le rocher, pour ceux qui connaissent, évidemment. Bande de cheaters. Bon, du coup, faut que je repasse par là-haut. Et plus tard, on aura une jolie carpe au milieu de la route. Ah putain. Faut que j'oublie de ne pas tuer les gens, c'est important. Faut pas tuer les gens. Faut pas, surtout pas. Soyons bien. C'est où qu'il faut aller déjà? Ici. Coco Yoteska. Ah ouais.
Singe gardien en first strike, putain, je kiffe. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ouais, je vous avais dit en fait, hein, Genichiro, c'est le roi des connards. Hein. Tous les autres boss, en fait, ils sont easy. C'est des cheese absolus, les autres boss. Du coup, c'est pour ça que ça me faisait chier de me faire casser le fion par un personnage secondaire. Il m'avait bien saoulé. Ben voilà, c'est chose faite. Hein. Le singe gardien à poubelle. Mais il reviendra, vous inquiétez pas. Il sera en mode zombie total. Il n'y aura pas besoin de faire la deuxième forme. Enfin, il y aura besoin de faire des efforts, mais pas la première, c'est ce que je voulais dire. Kokuyo Deska. On reviendra plus tard pour ça. Il n'y a pas le temps. Alors, t'as quoi, toi? Ils sont tous en train de crever, là, c'est chiant, en force. Ouais, c'est ça qui donne le sourire, c'est les first try comme ça aussi propres. Et encore, j'aurais pu forcer plus la dose. Par contre, j'étais déçu au niveau de mes dégâts contre le boss. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire mon upgrade. Bon, tant pis, on fera ça après. J'étais déçu contre les boss, enfin contre les dégâts sur le boss. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus important. Et en fait, c'était pas terrible. C'était même de la merde. Kokuyo Deska. Hop là, catching. T'as kiffé YouTube, hein? Avoue que t'as kiffé. Avoue que t'as apprécié ce bon mélange. D'assassinat et de purification exorciste. Avoue que t'as kiffé, hein? Ouais, je sais que t'as kiffé YouTube. Oh, je vois rien. Au secours. Oh, les enculés m'ont empoisonné alors que je suis en mode ça reste, c'est bon. Non mais. Oh mais niquez bien vos mers profondes là avec vos caméras. Mais c'est quoi toutes ces invocations du diable là? Depuis quand il y en a autant? Les invocations du diable, putain. Ils ont pété les plombs avec leur New Game Plus, hein, j'ai l'impression. Bon, ça c'est facile hein, quand vous avez marionnettiste. Mais il y a moyen de le faire sans le marionnettiste, mais c'est hyper chaud. Allez voir, hop. Marionnettiste. Voilà, vous attendez que l'autre il fasse son triptyque là. Et après, ça passe tout seul. Hop, et on y va. Et c'est bon. Atidia. On va récupérer ici. Confetti divin. Ah, j'ai pas vu là. Bon, du coup, on va aller tuer le serpent pour récupérer son souvenir. Bon, je passe par là. En fait, c'est hyper simple, mon New Game Plus, quand vous n'êtes pas emmerdé par des patterns du cul ou simplement les framerates bien dégueulasses. Yo! Kokuyo Deska. Alors, on booste la puissance. Ah putain, j'en ai deux en plus. Ah mais j'en avais deux. J'aurais dû monter le triptyque, comme ça j'aurais défoncé encore plus rapidement le singe gardien. First strike quand même pour le singe gardien, franchement je... Il y a un New Game Plus. Les dégâts sont doublés donc voilà, je mérite le respect. Surtout sur des jeux que je pratique jamais à la base.
Ah, c'était pas mal ça. Du coup, est-ce que... Non, il y est pas. Donc j'avais dit Valet Englouti et c'était... C'est déjà ouf leur truc là. Non, c'est pas là, c'était quand même quoi? Voilà la caverne. On va aller manger du serpent. Il n'y a que Genichiro en fait dans ce putain de jeu de merde qui me fait grave chier. Sinon, tout le reste, ça passe tranquille. C'est juste lui qui fait chier parce qu'il a des patterns de merde. Là, en plus, sur le New Game Plus, il a encore changé ses patterns. Il fait plus la fameuse estoc qu'il fait après sa série de taillades. Donc, du coup, le réflexe, vous avez plus le même et vous êtes emmerdé. Et que dire de plus? Bah, il fait chier. Voilà. Mais sinon, il est toujours aussi nul, hein. Vous lui faites bouffer de la hache, il fait plus rien. Petit serpent! Tu vas crever. J'adore ce passage. Oh, Dieu, bâtard! Ah non, il n'y a pas de souvenir avec lui, c'est vrai. Et ce qui est drôle... Putain, je suis plein de sang. Ce qui est drôle, en fait, avec ce passage-là, quand vous tuez le serpent, c'est qu'en fait, il réapparaît ailleurs. C'est complètement paradoxe, le truc. C'est totalement paradoxal. Donc, du coup, vous savez plus du tout ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que quand vous finissez le jeu pour la première fois avec la véritable fin du jeu, vous obtenez tout simplement, au début de la New Game Plus... Kuro qui vous dit qu'il est né à partir d'un autre vaisseau, je sais pas quoi, enfin bref, c'est un peu compliqué le truc. Putain, je me fais mal, moi. C'est assez marrant tout ça. Bon, le singe de Seymour, c'est fait. First try, fait plaisir. Serpent, c'est fait, il casse un peu les couilles. Et du coup, j'ai deux viscères. Mais est-ce que je les donne à manger à l'enfant divin? Parce que pour avoir la vraie faim, il faut donner les viscères à l'enfant divin, pardon, qui va tout simplement les transformer en larmes glacées. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle perd la vue. Elle obtient la cécité. Ce qui est très chiant, quoi. Kokuyo Deska. J'en ai plus. Et il me manque toujours 4 perles de chapelet que j'aimerais bien trouver avant de finir, encore une fois. Ce qui fait un peu chier, parce que je ne sais toujours pas où il faut aller. Parce que l'Hirata, il n'y a toujours pas la chouette ou quoi que ce soit. Et les autres, zboub. Ici, il n'y a toujours pas l'attaque. Putain, c'est chiant. En plus, je sais pas où il est l'autre là qu'il faut chercher sur le champ de bataille. Je sais pas. Donjon abandonné, le chirurgien il me demande de trouver une unité tarot, je sais même pas de qui il parle ou de quoi il parle. Ah, faut que je récupère des trucs ici. Enfin voilà quoi. Oh, par contre, je pense que Shina, il va se faire déboîter le cul quand je vais lui tomber dessus. Parce que là, déjà, rien que de souvenirs en plus, il va la ressentir mal là. Il va la sentir très mal. Mais c'est intéressant, de toute façon, qu'il frappe fort parce qu'au moins, je peux lui faire beaucoup plus de dégâts sur sa posture. Ça, c'est intéressant. Du coup, poison, il n'y en a plus besoin. Le feu, par contre, ouais. Parce que sinon, je vais me faire emmerder. Et je pense qu'on est pas mal. J'ai même pas pensé utiliser le corbeau contre le singe. Et là, depuis le début du jeu, j'ai pas utilisé les pétards pour battre les boss. Hein. Les gens qui utilisent le pétard là pour battre les boss. Ouais. Il y a mieux à faire quand même dans la vie. Hein. Ouais. Ah, le bâtard! Petit bâtard. On sait où je l'avais pas récupéré. Ça gère papa. Allez, va tout casser. Ah, moi je suis comme ça, hein. Un petit peu de ménage, ça fait pas de mal tant que. Putain, il y en a des cadavres.
C'est Gyobu qui a fait tout ça? Ah, vache. Bon, avec le froid, ça va, ça pourrit pas, donc c'est une idée de les laisser à l'air libre. Monsieur, bonjour. Kachin! Ah, ce qu'il faut, je pense, à faire aussi, c'est d'aller voir Emma et de rediscuter avec elle pour obtenir plus d'informations sur. Sur Dogun, son ancien maître. Putain, c'est con que le vieux soit devenu la bête de la haine à la fin du jeu. Oui, parce qu'il en parle justement, qu'il est consumé par la haine hein, et donc il crée des petits bouddhas pour le fun. Et pour les vendre aux enchères à des pauvres potiers. Et du coup, quand on l'achève, il nous remercie. C'est beau. Hein. Ah putain, il y a quoi là? Le Tengu de Sokubidera. Ah oui, il faut retourner à l'hôtel du Grand Serpent. C'est là, là-bas, il y a aussi. Achidja! Mami! Bon putain, ça me saoule là. Il manque 4 perles de chapelet. Où est-ce que je peux les trouver? On a le droit de spoil, hein, je m'en fous. J'ai fini le jeu encore une fois, donc. M'en fous du reste. Juste obtenir le trophée pour posture max, machin, tout ça. Je demande que ça, hein, pour le reste, je m'en fous. Même la bête de laine, c'est fait. Avec Gavé d'ailleurs. Ouais, je t'envoie 1 milliard de boules de feu qui one shot, c'est trop cool! Ce sont creux sur Dark Soul! Culé! C'était où qu'il a dit? Hôtel du Grand Serpent, c'est ça? Et là, il va me voir apparaître. Crise cardiaque! Putain, il y a un de ces vents dehors, mais ça se fait plaisir! Hein. Triptyque pour les singes! Wow. Ah putain, il est là! Il est grand! Et du coup, le katana, tu récupères pas? Ah ouais, mais finalement, en regardant de près le masque, il est pas si. Il est pas si imposant. Oh putain, le masque! Oh, Sekiro-ka! Oui! Ah, il m'a ordonné le Mushin. Il m'a redonné le Mushin alors que je l'ai déjà. En fait, c'est quand vous finissez toute la branche Ashina, vous débloquez le Mushin qui est totalement fumé. Une branche, mais vraiment un régal. Elle est où déjà? Il y a ça, faut que je débloque ça aussi. Et après, il me manquera quoi? Parce que celle-là, je l'ai pas encore. Je sais plus comment on la débloque celle-là. Il y a un truc spécial pour le faire. Ah, j'ai pratiquement tout débloqué de partout là. Ouais, ça va, il n'y a plus grand-chose à monter. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, ça doit être 19, je pense, à peu près. Bon, de toute façon, hein, en New Game Plus, l'exp est augmenté, donc ça va aller encore plus vite. La descente a fait mal, mais l'exp elle monte d'un coup. Hein. C'est ça qui est trop cool. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Kurosama. On va aller voir Kurosama. Je suis fatigué. Putain, et franchement, il n'y a pas le problème de framerate sur la console. Ça aurait été un bonheur absolu de jouer à Sekiro. Et évidemment, vu que le framerate, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce genre de jeu, hein, comme les Dark Souls, eh ben, ça punit trop vite. Ça fait trop mal, ça fait chier. Ça... La caméra est trop basse. Voilà. Ça fait grave chier. Parce que toi, tu te focuses sur le fait que quand tu vois l'image avec le danger affiché, t'appuies direct sur le bouton. Bah non, pas du tout! Faut que tu mettes 0,5 secondes dans ta tête.
Enfin, 0,3 secondes, pardon. Mais elle est machin. Papi. Miko-sama. Oh. Oui. Ah, il faut que j'aille chercher la pierre aussi là dans le truc nuptial. Allons voir Emma. Emma tout niqué. On sait déjà tout ça, hein. On l'a déjà lu et écouté. Il me sort combien de papier là? Je vais finir par avoir un dictionnaire à la fin. Pas une encyclopédie plutôt, oui. Un petit coup de repos. Pour faire repos avec des nouveaux dialogues, ça marche bien. Je vous l'ai dit que j'ai battu le singe gardien en Nukem Plus en first try. Merci. Ça va, j'ai le droit de me vanter, putain. J'en ai tellement chié sur la première version. Ah merde, ça y a toi qui a zoupé. Putain, mais elle en a pas marre de regarder mon visage. Hein. Je ressemble à un cul de poulet. Voilà, bon, la pierre nuptiale hein, pour les... Kami. Normalement, Emma doit me donner une cloche pour pouvoir retourner dans le passé. Si je me rappelle bien. Parce que j'avais parlé beaucoup de fois et du coup, elle m'avait donné une espèce de cloche. Atitia! La seule chose que je retiens de Sekiro, en fait, c'est ça. Atidia! Ça me tue, secours. Okami. Hoi. Dojata. Fushigiri no. So, Fushigiri na. Hoi. Fushigiri wa, sawari ga kohota. Par contre, moi, je prendrais la deuxième fin, lui donner uniquement les larmes du dragon. Et après, je le tue. Mais sinon, il y a aussi la rupture avec l'immortalité, Sekiro qui se tranche la carotide avec l'épée de la mort. Putain, mais tu vas pas changer de dialogue un peu là? J'ai besoin de nouveaux dialogues, moi. Ah, il a bougé. En fait, la pierre, on doit la chercher uniquement au moment où on a battu le singe, je crois. Parce que la religieuse, elle défonce le cul, hein, mine de rien, hein, quand on l'a fait la première fois. Elle défonce sec, hein. Matin. On va aller directement chercher la pierre nuptiale. C'était où déjà? J'ai oublié. Mais le truc avec les graines de bouterolle, putain, ça marche tellement bien. Ça lui vire un quart de sa santé. Elle se fait démonter avec ça. Faut juste la technique qu'ils font là, les speedrunners, pour la première et deuxième phase. De la religieuse en mode ultra corrompu, genre monter sur l'arbre, la verrouiller, lui sauter direct au cou, puis attendre la fumée, ressauter et refaire le même truc. Faut que j'essaye de faire ça. J'ai envie de tester parce que peut-être que j'ai speedrunné sur console, mais qu'il n'y a personne qui le fait. Ça me tend très bien, hein, ça me tend très bien. Après, je sais pas s'il faut le faire en New Game Plus, en New Game Classique, en jeu classique, ces trucs là. Et là, paf, le singe, non, pas du tout. Je sais pas, je réfléchis, mais je sais pas.
Parce qu'avec de l'entraînement, c'est sûr que je peux arriver facilement à battre tous les boss comme ça du first try avec un certain skill. Ça me donne envie, même si le framerate pue la merde, autant dire clairement, ça me donne envie de poncer ces kilos comme ça, de travailler dessus et d'arriver à faire une run parfaite. J'irai pas à faire des scores de genre 20 minutes ou quelque chose comme ça. Parce que les gens qui font ça, ils utilisent des glitches hein, à travers les murs et tout. Ça, c'est impossible de faire 20 minutes hein, à la pure legit. Ça demande trop de temps. Alors. Donc là, du coup, quand. Ah! Ah, vas-y, la communier. Pourquoi? Ça y est, Ah bah oui, fallait, ça y est. On a l'attaque qui a commencé. Du coup, si je parle là. Parce que je sais plus comment on fait pour débloquer. La rencontre avec la chouette dans le passé. Enfin, le combattre. Putain, c'est chaud pour vous tuer, vous, des fois. Hein. Il y a un moyen, normalement, de débloquer, mais je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas maintenant. Parce que je sais plus, il faut faire quoi déjà? C'est affronter. Il semble qu'il faut aller du côté du domaine Hirata et chercher des infos là-bas. On va speedrun. De toute façon, après, c'est sûr qu'il va falloir refaire le jeu pour faire les autres fins petit à petit, mais bon. C'est laborieux comme truc à faire, hein. C'est très laborieux. J'ai envie de me faire la mauvaise fin. Avec Ishin en mode normal, avec Emma aussi. Par contre, ça va être sanglant la mort avec Emma. Ça va être grave sanglant. Bonsoir. Oh, j'ai cru qu'il y en avait bien sur la gueule. On peut rien faire. Oh, c'est chaud. Putain, comment on débloque cette compte fin? Je m'en rappelle plus. Il y a un lien à faire avec la chouette, mais après je m'en rappelle plus. C'était vachement grand. Ah, j'ai oublié, ça me saoule. Ah ouais, mais attends, il faut pas que j'ai la cloche. Oh, je sais plus. Je sais plus si le combat dans la chouette du passé, faut le faire après avoir fait la chouette du présent. Enfin, je sais plus, c'est. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien débloquer le trophée. Ah, c'est passé au pixel près. On est passé au pixel près. Ouja. Bonsoir. Non, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Parce que normalement, Emma me donne une cloche qui me permet de retourner dans le passé. Mais là, bon, le problème c'est que tout est fermé, donc c'est un peu le caca.
Mettre des indices aussi, ça aurait été pas mal, je trouve. Oh, il est joli celui-là. Avec les hanches et tout là, pas mal. Ah, ça sort sur les côtés en plus. Font des bons petits PC là sur le Computex. YouTube Gaming, c'est fini. Ah ouais? Je savais même pas. Ah tiens, Anthem qui a rajouté une mise à jour. Intéressant. Bon, du coup, le pouvoir des Ovaries. J'aimerais bien savoir comment on fait pour lui obtenir un garde à lui là. Ouais, il va me donner une statue à la con, ou peut-être une perle, j'en sais rien. C'est mal foutu leur script, je trouve aussi. T'arrives pas à discerner ce qu'il faut faire. Oui, non, mais tes documents, ça m'aide pas des masses, j'ai envie de dire. Alors, pas du tout, même. Couchez les zombies. Enfin, où ce que vous êtes. Ils sont bien, ces documents, mais à chaque fois, tu comprends rien ce qu'ils demandent. Alors, allez, c'est bien alors, les gamins, tu de ce coup. Blablabla, non, c'est pas ça. Là. Rombuste, préférence à mettre sa main à un jeune solide soldat. Montre unité Taro, ne doit pas être le blesser. Bah, je fais comment pour le récupérer si je peux pas le blesser? C'est un peu con leur truc. Ou alors je fais disparaître grâce à la flûte. Enfin, à l'éventail. Kaching! Attends, je vais mettre l'éventail magique. On va tester avec l'éventail magique. Ils m'ont même pas calculé. C'est pas mal ce truc là. Attends, je vais te sauver l'ami. Grâce au pouvoir. Ça mange tellement que dalle. T'inquiète pas, je vais prendre ta vie. Bah prends à viser, connard. Il est bloqué dans le mur. Il est bloqué dans le pont, ce con. Non, c'est bon. Ah, le bâtard. Ah non, mais hé, jeu de merde avec la caméra pourrie là. Tu vas faire ce que je te demande ou ça se passe comment? Ah, merci. Je préfère. Donc il se calme un peu là avec la bullshit. Ça serait pas mal. Et toi, du coup? Cool. Oui, donc là, du coup, de toute façon, c'est l'attaque de la chouette. Mais moi, j'aimerais bien... comment dire? La trouver dans le passé. Dans la Manierata. C'est ça que je cherche à faire avant de finir ce jeu. Encore une fois. Atidia! C'est quelque part là-dedans. Bonjour. Il parle de moi ou il parle d'un autre? Ça, c'est la question. La question YouTube. Est-ce qu'on parle de moi ou est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? Dis-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Gare robuste, il y a les machins avec les marteaux là à la rigueur. Ah, mais il y a un soldat là-bas. Copain Tenzen. J'ai déjà fait mon lancier de toute façon, je m'en fous.
plus rien, c'est bon. Quoi? Hein? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Ah, à moins qu'on peut le faire sauter avec la lance. Non, c'est pas logique. Arrête. Catching. C'est lequel là-haut? C'est le super général ou c'est juste un 2B? Je me rappelle plus. Débile. Au revoir. J'ai envie de tester un move. Terrible. Ça fait gagner un de temps comme ça. Ah bon ça. Bah heureusement que la chute elle est pas... Oh si, c'est super samouraï ça. Y'a quoi là? J'avais jamais fait cette partie. Ah, la folie qui prend au mot. Hein. Regarde-le, cette putain d'enflure en train d'attendre. Yo! Il est où mon tanto? Ouais, parfait. Tanto! J'en ai 10 sur moi. C'est parti. On va attendre que le gros taille se barre. Ok, go. Allez, viens, papy. Qu'est-ce qu'on lui met comme... Oh, le fourreau de ses morts, il va se faire péter le cul en deux. C'est pas drôle. Oh, quoique. Oh, le bâtard. Oh, il fait super mal, par contre. Ah, mais il est tellement con aussi. Ça te suffira, les attaques, ou il en faut encore? Je vois pas, ça m'énerve, du coup. Mais genre, ce que j'estime avec ces fils de pute de lancier, c'est qu'ils ont une portée qui est illimitée. Et qui passe même à travers les maisons. Pour ça, je les aime pas. Mais moi, je les nique. Raté. Oh, je vais l'avoir comme ça, réellement? Non, pas du tout. Et c'est bon. Hop. Mange tes grands morts. Et tout ça pour une bourse. Magnifique. Je t'en foutrais, moi, des bourses, saloperie. Putain. L'ancienne mort, va. Ah, il est chiant un peu avec sa lance qui passe dans tous les sens là. Sinon, il est pas dur.
C'est ça le problème avec les lanciers, ils ont une portée qui est quasi illimitée avec leur putain de lance. Ce que j'aime pas. Ah bah tiens, donc là. Hop. Du fer. Je trouve quand même la zone assez restreinte hein, quand on regarde bien. Oh. Ça se tente. Ah putain, pas mal le raccourci. Alors là, je sais même pas comment j'ai fait ça. Ne me demandez même pas, je vous répondrai pas, j'en sais rien. Il est passé comme ça, comme si c'était un bout de papier. Comme un bout de papier, il est passé. Putain, mais sérieusement, leur jeu là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Désolé, j'ai besoin d'argent. Oh là là, mais franchement, des fois, il y a des bugs, c'est... My God! Ah putain, mais il y a juste là, j'ai pas vu. Viens. Hein? Attaque! Ah là, quand vous avez la perfect frame, ça passe tout seul. C'est ce que j'ai toujours dit. Par contre... Genre, il me voit pas. Genre, il me voit pas, mais putain, mais ils sont vraiment aveugles dans leur unité. Mecs sont totalement aveugles. Pour pas me voir. Oh mais quelle vie, sérieux. Ah putain, mais sérieux quoi, les mecs ils te voient même pas. Alors que t'es juste en face de leur gueule. Ah je te jure YouTube, mais quelle vie, sérieux. Quelle vie. Bon, on va jusqu'à la sauvegarde du château, puis après moi je vais y aller. Oh comment tu vas louper. Ah c'est trop con pour toi là, t'as raté ta frame. Hein. Ah ça c'est ballon. Et je me casse. A plus. Bonsoir messieurs. C'est pas une morlette. A plus. Et du coup je pourrais me faire le chinobit en même temps. Vous savez ce qui est coincé dans l'escalier comme un gros bâtard qui vous attend. Lui là. Petit bâtard. Mais pourquoi il est toujours eux? Ils sont passés où les autres shinobi? Ah ils sont là? Je sais pas. Ah là il y a la baston qui va commencer. Mais pourquoi il est encore là lui? De toute façon il va encore me donner des pièces. Il y a moyen en fait de lui enlever une barre de vie. Faut monter sur la poutre et lui sauter sur la tête. C'est assez chaud à passer mais bon. On se le fait ou pas? J'ai la flemme mais bon. Oh il est en train de m'énerver. Quoique... Ouais je vais m'en tenir un peu. Laissons-le dans son trois. Peut-être que c'est lui qu'il nous faut, un homme robuste et fort. Je dis ça, je dis rien, mais bon, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il fout en bas? Non, c'est pas le bon truc. Ça. Et fusion, il faudrait que j'utilise pour certains combats, ça peut être pas mal aussi. Mais non mais quel jeu de merde, mais quel jeu de merde, quel gros jeu de merde qui a la pisse. Putain mais sérieux quoi, tu vises l'ennemi pour lui tomber sur la tête,
Qu'est-ce qu'il fait ce machin d'autiste? Il fait à côté. Oh mais putain, mais vous m'avez saoulé avec vos bugs de conneries de box là. Ça gâche le jeu, vos merdes. Ah magnifique, l'autre il vient me chercher. T'as 3 points de vie, tu viens me faire chier. C'est ça qui fait rager en fait. Vous essayez de faire des actions propres, mais le jeu a été codé comme un cul pour les consoles et forcément ça passe pas. Et c'est très énervant. Vraiment très énervant. Ah par contre lui on va lui réveiller une petite surprise hein, vous allez voir. Il va comprendre ce que c'est de se manger une hache dans la gueule. C'est vachement efficace avec la hache en plus. Coucou. Hop, la phase. Oh mais genre putain, tu sautes et tout pour esquiver, ça marche que dalle, jeu nul. Ah, c'est relou. Parce que pour une fois, je pourrais arriver à faire un truc correct, s'il vous plaît. Caméra dans le cul, merci. Mais c'est une blague ou quoi? Putain, les caméras dans le cul, le retour hein. Mais bloque-le, autiste! C'est pas croyable de galérer autant sur un boss aussi nul. Sérieux, quoi? Faites un effort. Pas absolument tant toi. Oh le bâtard. Ch'tong, ch'tong. Tu nous fais la musique. What? Ça sort d'où ça? Quel relou. Relou man. Mais what? Il se téléporte ce fils de pute. Il se téléporte dans ses mouvements. C'est nimp. Il tire un coup de pied, hop, il arrive sur ta gueule direct. Mais vous avez craqué avec votre jeu nouvelle génération, enfin new game. Ils ont craqué les types. Oh, mais je vais pas le faire legit, hein, tu peux les faire enculer. Caméra qui déloque comme une grosse conne. Putain, en fait, le jeu il est dur parce qu'il est totalement codé avec la bite. C'est surtout ça en fait. On a déjà cru hein. Je vais te bouffer comme ça jusqu'au bout l'ami hein. Pas d'accord. Et tu galères parce qu'en fait le jeu il fait de la merde. Trop bon, j'aime. J'aime ma vie. Allez, à plus, va niquer. Voilà. Oh, faut pas déconner quand même, hein. Il y a des limites. Hein. On a des limites, hein, madame, s'il vous plaît. Ah, faites bien. Ah non, mais je suis désolé, hein. Il faut se dire un moment, stop la connerie humaine. Hein. Monsieur, il est cheaté, monsieur, il fait je sais pas combien de mouvements, monsieur, il se téléporte avec son pied. Non, mais ils ont craqué un Venus, les types. Le mec, il a fait un coup de pied, mais en boomerang, c'est comme ça. Complètement fêlé, ces gars-là. Ah, mais sur Dark Souls, t'avais des trucs aussi. Déjantés, pour le dire proprement. Ah, 700, ouais, je vais vite faire le feu. On va se le faire 2-3 fois pour level up. Vite fait, là. Ah, désolé, YouTube, un petit moment de rage, c'est normal, hein, des boss qui sont censés être simples. On se fait casser le cul dessus comme des putains de débutants. Et c'est ultra relou.
des gros sacs de viande, hein, comme on les appelle. Mais j'aurais dû mettre mon boost là pour... Merde. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Le bouton de bas. Mon bon boost. Si je m'étais pas occupé de lui, que j'avais focus à être enculé là-bas, ça aurait été bien. Mais bon, j'en aurais eu deux à affronter, donc ça aurait été un peu con. Et le but, justement, c'est d'éliminer ce sac à merde en premier, puis après s'occuper de l'autre. Mais là, je trouve qu'elle fait moins de dégâts, là. Il faudrait que je la passe en lazulite. Ce serait bien plus intéressant en lazulite, je trouve. Ça, elle déboîte très sec. C'est ça que j'aurais dû faire, en fait, passer la hache en lazulite plutôt que les shurikens. Parce que les shurikens sont un peu à chier, j'ai envie de dire. Un peu beaucoup à chier, même, les shurikens. Vous trouvez pas? Ouais, moi aussi. Bon. Level up, on va vite chercher la sauvegarde et puis on s'arrête là. Par contre, faites-moi penser que je suis un gros tas de merde. Merci, ça serait bien aimable. Oh mais nique-toi par ta grand-mère, ton père, ta soeur, ton poisson rouge. La parade qui veut pas prendre, ça me saoule. Et des fois la lame de la mort qui se sort sans raison, je sais pas pourquoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est des fois quand vous lâchez brièvement un bouton pour en remplacer un autre, bah, le jeu il va considérer que les deux sont enfoncés. Ça c'est totalement de la merde. Et c'est ça qui me gonfle en plus dans le jeu, c'est juste que vous allez essayer de faire un mouvement assez rapide mais propre, mais en fait le jeu il avait compté comme deux boutons en même temps, vu qu'il a à moitié demeuré. Et c'est ça ce qui va punir le plus souvent dans ces kilos. L'art de combat qui se déclenche tout seul et qui va vous niquer au niveau du framerate, puisque vous n'allez pas pouvoir bouger à temps au moment où l'ennemi va foncer sur vous. Et c'est trop relou. Voilà, c'est bon. On est d'accord que c'est ouvert, non? Ah, qui moi. Oh là là! Ah non, mais c'est pas fluide du tout, là. Je suis désolé, votre jeu, il est absolument pas fluide. Bon, je sais pas si je peux annuler... Ah mais je crois que si on l'écoute et qu'on repart dans le passé, on a une chance de l'assassiner. Je crois qu'il me semble qu'il y a moyen de retourner dans le passé pour l'assassiner. Ok. Vive les bugs. N'importe quoi. Non mais putain, sérieux, corrigez-les vos bugs, là, ça a pu. Hein? Ah, je vais passer par l'autre côté. On va les enculer, quoi. Chet, t'es mort, sac à merde. Bon, du coup, là, avec la chouette, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir. Ah, toujours pas. Putain, mais comment on fait? Oh, je sais pas. Oh, c'est quoi, on va s'arrêter là. Allez.
YouTube, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour le petit moment de rage, hein, mais bon, tu sais, on l'a déjà fait une fois ensemble, c'est Kilo, on a bien galéré, mais on y est arrivé sans utiliser de pétard ou quoi que ce soit, très extravagant, hein, ou ultra shit. Et du coup, ça fait rager de se faire casser le cul par des mobs de merde, avec un potentiel de merde, fini à la merde. Plein de bisous, et à une prochaine VOD. Allez, tiens là.